Bonjour, je vais vous parler des bonnes conditions pour faire un massage qui sera tout aussi agréable pour vous que pour votre animal. Il va falloir choisir un environnement calme, avec pas de bruit, pas d'odeur, pas de sollicitation, de jouets, de congénères. Il faudra que le chien ait été détendu, c'est-à-dire qu'il soit sorti, qu'il ait fait ses besoins. Il faudra que ce soit un moment de partage entre vous et lui et que par conséquent vous ayez envie de lui apporter le meilleur de vous-même. Et il faudra effectivement aussi être en dehors des horaires du repas puisque le massage pourrait contrarier la digestion. Si vous souhaitez apprendre à masser votre chien, je vous propose de vous procurer ce petit livre qui s'appelle « J'apprends à masser mon chien ». Et vous pouvez également vous procurer un autre petit livre qui s'appelle « J'apprends à masser mon vieux chien » puisque effectivement, tout comme nous, les chiens sont appelés à vieillir. Apprendre à masser son chien, ça va lui permettre de soulager des problèmes d'arthrose, des problèmes de mobilité, et ça va lui donner la possibilité de ressentir son corps et d'être bien dans son corps. À bientôt pour une nouvelle vidéo.